depuis que je repasse, et ça fait une mèche que je repasse, eh bien, je me demande comment se fait-il qu'il n'y a personne qui a inventé un fer à repasser qui ne crache pas, qui ne coule pas. Eh bien, il existe ce fer à repasser. Nous l'avons trouvé pour vous. C'est le fer à repasser vapeur Vélocité de Reliable. Et ça s'explique pourquoi il s'agit d'un fer de cette qualité. Parce que Reliable, c'est une compagnie qui existe depuis 1955 et il se spécialisait dans les fers, les presses pour les industries de confection de vêtements. On retrouvait de leur fer dans les nettoyeurs, dans les grands commerçants également, les grandes surfaces où l'on vend des vêtements que l'on doit repasser avant de les mettre sur des cintres. Et il n'y avait qu'un pas à franchir avant de créer ce magnifique fer à repasser vapeur qui est ni plus ni moins qu'un générateur de vapeur. Comment fonctionne-t-il? Pourquoi ne crache-t-il pas? Eh bien, c'est sa conception qui est très différente. Un fer à repasser régulier, la plaque est chauffée, il y a un élément et l'eau va donc se réchauffer au passage à la plaque. Ce qui arrive, c'est que lorsqu'on repasse de la soie, à basse température, et que l'on veut enlever un pli et qu'on utilise la vapeur, bien sûr, l'eau n'est pas assez chaude. Alors, on se retrouve avec une tache d'eau et on doit relaver à nouveau notre blouse de soie. Avec Reliable, eh bien, ce que l'on a ici, c'est qu'on a deux éléments. Tout d'abord, l'eau va être acheminée par une pompe au premier élément qui se trouve donc à côté d'un réservoir et c'est là que l'eau va se transformer en vapeur. Donc, elle a atteint la température nécessaire pour être de la vapeur. Le deuxième élément, quant à lui, est au niveau de la semelle. Lui, il va réchauffer la semelle à la température nécessaire pour notre vêtement. J'ai besoin d'une température plus élevée pour le coton, je vais l'obtenir. Mais si je veux repasser des lainages, par exemple, alors je pourrais opter pour une température moindre. Mais lorsque j'aurai besoin d'utiliser la vapeur, elle, sera à la bonne température. Et pour commander la vapeur, je n'ai qu'un bouton ici que j'appuie de côté comme ceci si je suis droitière. Si je suis gauchère, j'irai donc de ce côté. Donc, c'est une commande ambidextre, si l'on veut. Et vous voyez comment il travaille très, très bien. La semelle également est conçue de façon professionnelle. Donc, c'est-à-dire que la vapeur s'échappe par les trous à l'avant, permettant ainsi d'assouplir le tissu. Et les fibres, par la suite, sont aplanies et pressées par la semelle d'acier inoxydable qui est chaude. Alors, c'est pour ça qu'on réduit également le nombre de coûts de repassage, COUPS. Lorsqu'on repasse, on élimine donc du temps, on économise du temps. Et également, ça nous permet, à cause de ce résultat professionnel, peut-être de ne pas avoir recours au nettoyeur où souvent on va porter des vêtements propres, tout simplement pour avoir cet aspect de pressage professionnel. Et on le sait très bien, lorsque nos vêtements sont bien repassés, on se sent bien habillé. La température est réglable ici avec le bouton poussoir. Lorsque vous appuyez, vous voyez ici en température maximum pour le lin, par exemple, le clignotant va donc être en action tant que la température ne sera pas atteinte. Vous avez également une fonction de vapeur en continu. Et celle-ci, vous pouvez l'obtenir tout simplement en pressant sur le bouton vapeur pendant une période de 8 secondes. Ça, c'est vraiment l'idéal pour les dames qui font de la couture ou encore de la courte pointe. Vous savez, on fait un trait de couture et tout de suite, on doit se relever pour venir repasser et presser notre couture. Souvent, on doit attendre tout simplement que le fer ait atteint la bonne température. Donc, on conserve cette fonction Steam Ready en continu qui nous permet donc de toujours avoir accès à la vapeur pour un résultat parfait. Et cette fonction Steam Ready également nous permet donc de l'utiliser à la verticale. Regardez bien le jet de vapeur que nous obtenons avec notre fer à repasser. Donc, un vêtement qui est froissé, tel un veston, par exemple, eh bien, on pourra le défroisser avec la fonction Steam Ready à la verticale. Regardez, donc, il aura l'aspect vraiment d'un vêtement qui n'aura pas été porté du tout. Lorsque vous l'utilisez de façon régulière et que vous le gardez immobile pendant 8 secondes, il s'arrête de lui-même, donc encore là, très sécuritaire. Mais je vous invite tout de même à lire la notice lorsque vous recevez votre fer à repasser. Vous allez voir, il y a toutes sortes de petites subtilités qui font en sorte que vous avez vraiment là un fer professionnel qui vous donne des résultats incroyables. Et pour ce qui est
de la fonction au repassage. Regardez-moi encore comment il est facile donc de le glisser grâce à sa semelle d'acier inoxydable hyper glissante et également sa fonction vapeur qui va donc assouplir les fibres. Pour le remplissage, et ça aussi, souvent c'est un problème, l'ouverture ici sur le dessus fait comme un tube, ce qui vous permet d'aller porter votre tasse avec bec verseur. Donc, il n'y a jamais ici de déversement, ça ne coule pas et vous refermez, ça se scelle facilement, vous pouvez travailler. C'est le fer à repasser qu'il vous faut. Vous repassez beaucoup? Vous aimez repasser, vous faites beaucoup de travaux de couture, des courtes pointes, il vous sera extrêmement pratique et la tâche sera devenue de plus en plus facile grâce à notre fer à vapeur Velocité de Reliable. Commandez-le dès maintenant.